Hello les gens, eh bien aujourd'hui un tutoriel sur Cinema 4D pardon, et principalement sur Sketch and Toon. Sketch and Toon, comme vous le savez, en fait, ce sont des paramètres qui vont vous permettre de rendre vos objets en version dessin animé, peinture, traits, etc., etc. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était le mouvement. Quand vous faites un mouvement sur une pièce, sur un objet, avoir une traînée de mouvement. Donc c'est idéal quand vous faites du motion graphique, que vous voulez repasser votre objet dans After Effects. C'est sympa d'avoir ces lignes de mouvement. Donc bien sûr, je ne l'ai pas inventé. J'ai vu ce tutoriel sur YouTube et réalisé par nos amis américains. Alors tout simplement, on va prendre un cube. On va le réduire un peu importe. Avant toute chose, bien sûr, les paramètres de rendu. Donc la sortie, en général, moi je prends plutôt, on va prendre, voilà, 1280-720, toutes les images puisque on va animer notre scène. Comme d'habitude, anti-aliasing. Et ici, bien sûr, on va chercher dans l'effet Sketch and Toon. Pardon. Alors, Sketch and Toon, moi par défaut, j'enlève le fond, puisque au rendu, vous allez avoir autrement un fond de couleur. Donc, je le désactive pour avoir la transparence, puisque je travaille essentiellement entre Cinema 4D et After Effects. Donc, c'est idéal après d'avoir le canal alpha et d'avoir ce rendu. Pour l'instant, on va rien toucher ici, sauf que non, on va rien toucher, on va faire ça au fur et à mesure. Donc, ici, écoutez, je suis pas mal, donc je ferme. J'ai donc mon Sketch and Toon qui a été créé ici puisque j'ai demandé l'option dans mes paramètres de rendu, éditeur de réglage de rendu, pardon. Alors, quand je clique ici, bien évidemment, vous avez toutes, comment dire, les options qui sont des options différentes des matériaux, en tout cas de la création de matériaux. Mais on verra ça tout à l'heure. Ce que je vais faire déjà. Je vais créer une matière à côté qui va être, un peu la fenêtre. Ici, dans les textures, on va aller chercher effet, pardon, Sketch and Toon et je vais prendre cellulo. On va choisir les couleurs. Donc ça, je pense que voilà, je ne l'apprends à personne pour ceux qui maîtrisent Cinema 4D. Pour les autres, voilà, hein, vous allez chercher vos couleurs et les appliquer. On va mettre voilà, un dégradé de et un blanc histoire de. Une fois qu'on a ça, on est bien. Réflexion, on n'a pas besoin. Je ferme et je glisse mes couleurs dans mon cube. Donc, pour que on puisse avoir, comment dire, de la réflexion, etc. En général, moi, je mets une lumière. Voilà, pour pouvoir avoir une ombre. Ça. On va passer en de haut. Comme ça. Voilà, je lui applique une ombre. Voilà. Alors, une fois que j'ai mon cube ici, j'ai mon cube et ma lumière. Je vais créer un objet nul. Je vais appeler groupe. Glisser mon cube dedans. Donc jusque-là, on est bien, on a notre matière. Maintenant, pour que les propriétés éditables de Sketch and Toon puissent être actives sur mon objet, je vais prendre mon objet et le glisser directement dans le cube. Ce qui crée ici un tag. D'accord? Un tag avec les options, donc les lignes. Etc., etc. Alors moi, ce que je veux essentiellement, c'est donner du mouvement à mon objet. Donc on reviendra juste après sur le tag. Je prends mon groupe, je mets une clé ici, je vais à peut-être 35 et je vais lui donner une rotation, faire 720. 720. Et je remets une clé. Voilà, donc mon cube tout bêtement tourne. Maintenant, ce que je voudrais. Ce que je cherche à faire, ce que j'ai vu, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant,
c'est que lorsque mon objet tourne, il y a une traînée de mouvement. Puisque si je fais mon rendu ici maintenant, alors je l'ai mis en transparence, j'aurais peut-être dû arrêter ça. J'ai dû mettre un seul. Je mets un peu l'arrache. On va faire un rendu. Je vais m'arrêter là, mais quand il tourne, ce que j'aimerais effectivement, c'est d'avoir ces traînées là. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Et je vais arrêter le rendu et le sol par contre en blanc, ce soit bien contrasté. Voilà. Alors, j'ai donc animé mon groupe. À l'intérieur, ici, j'ai mon cube. Pour pouvoir avoir une traînée, je vais devoir créer un objet juste à côté et lui assigner justement la traînée voulue. Donc en général, moi je prends plutôt une sphère, ici, là, que je vais réduire, voilà, que je vais amener là. Ici dans le coin, je vais la dupliquer, je vais la mettre ici, et celle-ci, je vais la dupliquer. Ici, je vais les dupliquer. Ici, voilà, j'en crée 4. Mes 4 petites sphères. Donc, du coup, je les sélectionne et je vais les glisser dans mon groupe. À ces sphères-là, je vais également assigner le tag Sketch and Toon. Ok, je vais les copier, mais comme ça. C'est pas ça du tout. C'est ça. Et ça, voilà. Alors, donc, nous avons donc assigné des sphères dans le groupe. Donc maintenant, si je tourne le groupe, sélectionner, si je tourne le groupe, elle tourne avec. D'accord ? Donc le but, vous avez compris, c'est que ces boules vont se transformer en ligne. D'accord ? Alors on va retourner dans les paramètres, donc je sélectionne 4 tags de sphères. Et ce qui est important, c'est effectivement de venir cocher ici le mouvement. Donc on vient cocher le mouvement, et c'est par ici que ça se passe. Alors en général, il y a deux modes de mouvement, vélocité et traînée. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt une traînée, donc je sélectionne traînée. Alors ici, la traînée va se faire sur 30 images. Donc, c'est beaucoup trop. Donc je le sélectionne et je mets 3 images. Le nombre de lignes, c'est le nombre de lignes que l'on va avoir au résultat de la traînée. Donc 20 lignes, ça va faire un aplat très large. Ça ne va pas être très joli. Donc moi, j'en mets une. Pour ces rendus-là, c'est le fait. Ça, alors, il y a aussi autre chose, puisque lorsque je mets j'ai mes boules ici en visuel. Donc ici, en fait, je ne le veux pas. Donc ce que je fais, c'est que je viens dans les propriétés Cinema 4D et je viens chercher le tag rendu. Voilà, ce tag rendu-là, je vais le mettre également sur les autres. Et dans ce tag ici, dans les propriétés, je viens tout les cocher. Voilà qui est fait. Maintenant, lorsque je fais mon rendu, je n'ai plus que des petits cercles. Tout simplement parce que, alors on va
déplacer ça ici. Voilà. Tout simplement parce que dans mes tags Sketch and Toon, lorsque j'ai coché mouvement, il fallait absolument que je décoche pli, faux pli et bordure. Alors, je décoche ces options-là. Et maintenant, quand je fais un rendu, voilà, elles ont disparu. Alors, on va faire... j'ai bien mon tour, d'accord. On va faire un rendu pour voir ce qui se passe. On commence à voir, effectivement, les lignes sont en train de se créer. C'est juste pour vous montrer, ensuite on va arrêter, je vais arrêter ici. Alors, lorsqu'on avance, voilà. Alors les lignes ici, effectivement, elles sont pas sont un peu disgracieuses parce qu'elles prennent l'angle du mouvement de l'angle droit du cube. Si vous avez une sphère, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais il y a des réglages pour ça. Avant toute chose, j'ai oublié quelque chose parce que là, mes sphères... Mes quatre sphères ont les mêmes valeurs au niveau de la traînée. Alors ce qu'on va faire, sur la première, on va mettre une, sur la deuxième, deux, etc. Trois, et ici, quatre. Elles sont bonnes. Donc du coup, on va refaire un rendu rapide pour voir ce que ça donne. Du coup, vous voyez, les valeurs sont décomposées. Mais c'est toujours aussi disgracieux. Voilà, vous voyez, la différence entre tout à l'heure, c'est que les valeurs ont changé, donc le mouvement change également. La traînée, en tout cas. Vous voyez, hop. Voilà, je trouve que le résultat est assez sympa. Alors, pour remédier à cet angle droit, il faut retourner dans le menu modificateur matériaux de l'élément Sketch and Toon. Donc, Mat Esquisse, c'est évidemment ce qu'on a ici, hein, en ligne visible. D'accord. Donc, on va aller dans Distorsion. On va cocher Courbe. Là, effectivement, on a un bruit. Donc, on va enlever le bruit. Et au lieu de le passer en linéaire, on va le passer en baseline. Pour les étapes, on peut laisser 6. Vous pouvez tester après, en mettre un peu plus. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Mais voilà, mes réglages ont été faits sur le tag de Sketch and Toon. Maintenant, lorsque je vais faire un rendu, normalement, ça va être beaucoup plus fluide. On le voit tout de suite, ça part tout de suite en ligne un peu plus fluide. Alors j'ai mis 4 sphères, c'était peut-être pas la bonne solution. Peut-être en mettre 2, enfin après c'est à vous de voir. Mais on voit bien que les lignes sont courbées maintenant. Voilà, on va arrêter, et voilà. Donc ça c'est idéal pour lorsque vous travaillez sur After Effects et que vous faites du motion design, de l'animation. Je trouve ça vachement sympa. Voilà. Donc du coup, maintenant, c'est à vous de voir un peu dans les réglages, de tester, d'aller faire des tests. Mais voilà pour cette petite technique. Merci les Ricains et à bientôt.